Et les étalons qui ont enregistré un renfort de choix, messieurs, c'est Brian Dabo, le milieu de terrain de la Fiorentina. Brian, qui est un ancien international espoir français, aussi éligible pour la sélection du Mali Fousseni, mais il a finalement choisi de porter les couleurs du Burkina. Retour sur son premier match avec ce reportage signé Karim Baldé, Louis Decroix et Thibaut Mélin. Faut le faire rentrer là-bas. Oh lui, tu sais que lui, c'est un marabout, lui. C'est un marabout. Avec Brian Dabo, bonne humeur garantie. À l'hôtel des Étalons, nous le retrouvons en pleine partie de billard avec l'homme clé de son intégration, le vétéran Charles Caboret. C'est quelqu'un qui aime dialoguer, qui est attentif et qui amène cette joie de plus dans l'équipe. Et il est là 2 jours seulement et ça montre que c'est un leader et il est là pour nous aider, pour apporter plus à l'équipe et on en a vraiment besoin. Avant de voir le natif de Marseille porter le survêtement du Burkina Faso, il aura fallu attendre 3 ans. France, Mali, Sénégal, de nombreux choix s'offraient au milieu de terrain. Mais depuis janvier, tout a changé. Nouveau club, la Fiorentina, puis décision de rejoindre le pays des hommes intègres. C'est mes racines. Donc du moment que c'est mes racines, je me sens complètement burkinabé. Et voilà, j'ai des racines maliennes et sénégalaises aussi, je ne renie pas. Mais c'est le pays où je suis allé le plus de fois, où j'ai le plus de contacts. Et aussi, c'est le pays avec lequel je parle le plus souvent avec le sélectionneur. Donc c'est tous les petits détails qui font que j'ai choisi le Burkina. Et au niveau personnel, quelle a été la réaction de votre famille, de vos parents, par exemple, quand vous avez décidé de dire « c'est bon, cette fois-ci » Ouais, mon père, il a sauté de joie. Ma mère, elle a boudé. Mais sinon, franchement, tout le monde était content. Tout le monde était content, à commencer par le sélectionneur. Pendant l'entraînement de veille de match, Paolo Duarte lui accorde une attention particulière. Des consignes tactiques, mais pas seulement. L'important, c'est qu'il se sent à la maison, c'est qu'il rentre dans la famille burkinabé avec la maxime de confiance, avec une maxime d'amour, parce que j'ai aussi besoin d'amour, c'est pas le fait, simplement. Et je pense qu'il va s'adapter facile, parce que le groupe il est fantastique, le groupe il est en humilité. C'est fantastique, c'est ça notre force, s'il n'y a pas de vedettes. Même les vedettes ne sont pas vedettes, ce sont des joueurs de grande humilité. Entouré par les cadres, Brian Dabo arrive tel un bleu dans le vestiaire. Découverte d'un nouveau monde dans le stade champêtre de l'Imeil Brévan. Alors, tes premiers pas ? Bon, ça va, pour l'instant tout est nickel. Juste le terrain, il est un peu bizarre, ça va aller. Ça te rappelait la Coupe de France, ça, peut-être ? Ouais, un peu la Coupe de France. Rapidement, son sourire laisse place à la concentration. Face à la Guinée-Bissau, Brian Dabo passe même tout près d'inscrire son premier but dès la 7e minute. Son équipe prend le dessus à la demi-heure de jeu. 2 buts en 3 minutes, celui de Cyril Bayala sur un superbe enchaînement. Puis Jonathan Pitroipa, parti dans la profondeur, sert Aristide Bansé. Dabo profite de ce match amical pour retrouver du temps de jeu, important vu ses 41 maigres minutes en 6 matchs de Serie A. Remplacé dans le dernier quart d'heure, il tire un bilan positif. Très bonne sensation, on a gagné donc c'est parfait. Je suis au milieu, le coach me laisse beaucoup de liberté. Donc voilà, après il y a des moments où je dois rester en place avec Charles, j'ai des moments où je dois attaquer un peu plus. Ça dépend du cours du match et pour l'instant ça se passe bien. Je trouve qu'il s'est déjà très bien intégré. On sent qu'il est à l'aise et on sait qu'il va nous faire beaucoup de bien, il va beaucoup nous apporter. Et voilà, on est content qu'il soit venu. À 26 ans, Brian Dabo renforce un effectif pétri de talent. Le Burkina Faso met déjà le cap vers la CAN 2019.